Bonjour, je suis Franck, directeur produit chez Ocha. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je travaille dans la gestion de logiciels en SaaS et j'ai rejoint Ocha fin 2020 en tant que CPO afin d'aider à scaler l'ensemble de l'équipe produit et bien évidemment d'améliorer cet outil qui est un outil aujourd'hui unique sur le marché. On est une plateforme marketing du podcast. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme marketing du podcast? Aujourd'hui, Ocha, nous sommes leaders dans l'hébergement de podcasts. Et ce qu'on a souhaité faire, c'est apporter des outils, tous les outils marketing utiles et nécessaires à nos podcasteurs pour qu'ils puissent promouvoir leur podcast et accroître leur audience de la façon la plus efficace possible. Notre travail au quotidien dans la team produit Ocha, ça s'appuie sur deux piliers principaux qui sont premièrement la discovery, où on va en apprendre plus sur nos clients, on va comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils attendent. Pour cela, on va organiser des interviews régulièrement avec eux. On va également leur envoyer des questionnaires, on va les faire tester des fonctionnalités en avant-première. On va également faire de la veille, que ce soit concurrentielle ou de la veille sur de l'innovation. Et tout ça va nous aider à construire une roadmap. Ensuite, deuxième pilier, la delivery, où là, l'objectif, c'est beaucoup plus opérationnel, où on va s'assurer qu'on ait des rythmes de release réguliers pour donner régulièrement de la valeur à nos utilisateurs. Et du coup, cette valeur, elle se caractérise en nouvelles fonctionnalités, correction de bugs, mise à jour de fonctionnalités déjà existantes. Ce qui me plaît chez Ocha, il y a plusieurs choses qui me plaisent chez Ocha, mais il y en a trois particulièrement. Premièrement, ça va être les équipes, qu'elles soient produits ou les équipes des autres services. On a une forte collaboration entre les pôles. Ce n'est pas du tout politique, c'est très bienveillant et on a su garder ces valeurs-là malgré le fait qu'on ait doublé d'effectifs cette année et malgré le fait qu'on continue de recruter massivement. Deuxièmement, ça va être le secteur. On travaille dans le podcast, c'est un multimédia très à la mode. Le fait qu'on interviewe justement nos utilisateurs qui sont des créateurs de contenu, ça fait que voilà, y a des interactions avec ces personnes-là et c'est très satisfaisant. Et puis dernièrement, le produit qui a été très bien pensé depuis le début. On l'a créé d'ailleurs depuis le début, on est maître de nos technologies. On a un design très sympa, on a une ergonomie au top, on a des technologies à la pointe. Et tout ça fait que c'est agréable de travailler pour un produit comme ça. Je ne peux que vous conseiller de postuler chez Ocha. Il y a des postes constamment ouverts, des nouvelles positions. Du coup, n'hésitez pas à postuler.